Cet été, comme maintenant depuis quelques années, en dehors de mes compétitions, je vais faire un grand défi. C'est un tour de plus de 1000 km à travers la Suisse en mode triathlon, paratriathlon. La traversée de 26 lacs que je vais relier en fauteuil de course, en handbike. Et donc il y aura natation, fauteuil de course handbike et puis Beliac, c'est un kayak couché. J'espère que je vais y arriver. C'est un entraînement pour cette année cruciale qui est une année de sélection pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Mais c'est aussi pour, dans cette même idée, pour montrer que c'est possible. Il faut y croire, il faut se donner les possibilités et ne pas s'arrêter au premier obstacle de la vie. Ce sera sur quelle distance et en combien de temps ? En 2 semaines, on va se donner maximum 13, 14, 15 jours maxi, parce qu'après les compétitions pour moi reprennent, donc j'ai 2 semaines en dehors de mes compétitions. Et la distance, à peu près 900 et quelques kilomètres sur la terre, 75 kilomètres sur l'eau.